je m'assois. C'est pas plus cher. C'est pas plus cher. Ah, pas plus cher. Voilà. Bon. Alors aujourd'hui, c'était une aventure. Ouais. Hein? Une belle aventure. Hein? Belle aventure. Alors on a essayé de rentrer dans une cave. Ouais. Mais c'est une cave qui a abandonné. C'est abandonné à l'intérieur et tout. De toute façon, vous verrez ça sur la vidéo. Par contre, on ne sait pas s'il y a un puits. Peut-être qu'il y a un puits, peut-être pas. On n'en sait rien. En tout cas, on va revenir une deuxième fois. On va péter 2-3 agglos. Et après, on va pouvoir faire la vidéo et tout. On va rentrer dedans. Ouais. Rentrer dedans pour voir. Alors, c'est hyper dangereux. Vous allez voir la vidéo. C'est hyper, hyper dangereux. Parce qu'on est quand même au premier étage. Ouais. Ah oui. Premier étage. Ouais, premier étage. La grave, c'est le premier étage. On est au premier étage. Premier étage, ouais. Et tout le haut, tout le plafond, là, les tuiles, tout ça, ça s'est effondré. Et ce vieil baraque, à l'époque, c'était du plancher. Alors, quand on met les pieds, on ne sait pas où on met les pieds, parce qu'il y a quand même une épaisseur comme ça de mousse, de la végétation, des branches. Il y a la pluie, la neige, le froid, le vent qui se multiplient. Le temps, depuis des années, est-ce que ça a redonné au moins depuis une vingtaine, 20, 30 ans? Si c'est pas plus. Si c'est pas plus. C'est hyper dangereux. De toute façon, on verra en dessous comment c'est fait. Ouais. Si c'est voûté, c'est-à-dire qu'on n'y fait rien. Ouais. De toute façon, quand on y a été, ça a été encore. Oui. Voilà. Donc, ça sera une première partie, puisqu'on fera ça en deuxième partie, puisqu'on n'a pas le matériel. J'ai rompu une vidéo. Alors, ça risque de bouger un petit peu, parce que ça a été fait à la GoPro frontale. C'est vrai, je n'avais jamais fait de vidéo encore avec une GoPro frontale. Il faut essayer pour voir. Voilà. Donc, ça risque de bouger un peu. Mais en fin de compte, vous allez vivre exactement la même chose que ce que nous vivons. Donc, un jour, j'ai une petite idée, mais ça, je ne sais pas si ça va se faire. On fera une vidéo en 3D. En 3D, oui. En 3D. Ça veut dire que pour voir la vidéo, pour être bien dedans, il faudra acheter, vous savez, ces petites lunettes là. Je vous expliquerai comment faire. Et je ferai la vidéo en 3D. Ouais, c'est pas mal. Ça sera pas mal. Alors, comme ça, vous verrez ça en 3D. Et puis, ouais, voilà, on fera deux vidéos. Je ferai une vidéo en 3D, une vidéo normale, pour ceux qui veulent regarder en normal. Ouais. Mais en 3D, c'est que j'ai le logiciel pour faire tout, pour le faire en 3D. Peut-être qu'en 3D, ça va marcher sur la télévision. Possible. Alors, on fera une petite vidéo quand ça sera en 3D. Voilà, je ne sais pas, peut-être un coup de verre en 3D, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ça, en 3D. Mais il faudra acheter, j'ai une lunette, je ne sais pas si c'est du rouge ou du bleu, vous savez, pour les lunettes là. Oui, je vois, oui. Ah, je vous vois tous après regarder vos 3D. Bon, vous avez vu, M. Biscotte est passé pour me raser. Donc, je me raserai tout et tout pour demain. La vidéo est sortie à la fin normale. On a voulu faire ça hier soir, mais on n'avait pas d'idée. Moi aussi, ça a été galère et tout. On a fait hier soir et puis... Et puis voilà. Donc, je fais un coup à tout le monde, Olivier et tout. Bah oui, Olivier, on voit demain, ça n'y a pas de travail. Pour Bouli, Nathalie et aux gens. Oui, Nathalie, tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Merci pour les commentaires. N'oubliez pas les pouces bleus, c'est important, les pouces bleus. Plus j'aurai de pouces bleus, plus j'aurai de la visibilité. C'est ce qui compte. Et là, on est devant la tour Bismarck. Saint-Quentin. Bismarck. Alors là, oui, il y a un petit trou là. Je sais le prendre la caméra avec un projecteur et la passer dedans. On voit ce qu'il y a. Peut-être qu'il n'y aura rien, il n'y a rien et tout. Ça sera un petit bonus. Oui, j'aimerais bien voir s'il y a un escalier ou quoi. Je ne sais pas s'il y a des escaliers. On ne sait pas comment c'est. Je pense qu'il y a un étage. Ouais, alors je ne sais pas comment c'est. On va mettre ça. Avec le projecteur là, ça ne sera pas hyper puissant, puis on verra bien ce qu'on va voir. Ce sera un petit bonus, comme un petit bonus comme ça, on va bien voir. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à plus, à la prochaine vidéo. Donc, cette vidéo-là va s'appeler, j'avais dit, comment je veux dire intrusion dans la cave, première partie. Ouais, première partie, ouais. Voilà, intrusion dans la cave, première partie, parce qu'il y aura une deuxième partie. Voilà. Ça fait du bien de faire des vidéos en deux parties. Des vidéos en deux parties. On a plus de suspense pour voilà, c'est les aventures. Voilà. Allez, je vous laisse avec. À tout de suite pour vous, pour la vidéo. Puis on a le temps de faire le montage. Et puis, commentaire. Il n'y en a pas, c'est bon, on a tout dit. On a tout dit, ce qu'il fallait. Allez, on va.
faut quand même visiter ce qu'il y a en dessous, donc on va voir ce que c'est. Bonus. Voilà, ça sera le petit bonus. Allez, à tout de suite pour le bonus. C'est pour le bonus. Alors, je me demandais comment c'était l'escalier, comment c'était, parce que toi, il y a... Il faut péter. Bon, hop là. Écoute, on va bien voir. Oh non. On invente un système. C'est que je peux. C'est ce que je peux. Tu sais quoi? Je peux couper que ce qui ne me plaît pas. Attends. Oh putain. Bah oui. Ouais. Au moins, on sait qu'on est là. C'est une marche. Je le soleil dans les yeux. Trop de marche à parfaire. Voilà. C'est dans ma jambe. Il était bloqué. Ouais. Ben tu sais, je me suis déjà plié 3-4 fois la jambe. T'as revu ça? Ouais. Ah putain. Puis là. Attention, il y a là un trou là aussi. Thank you.
Non, je coupe pas. Ouais. Eh mais ça a pris feu ici, hein. C'est l'entrée de la cave, t'es sûr? Tu vois, je coupe ça, la branche au-dessus, je l'ai coupée. Celle-là, elle m'énerve. Celle-là. Voilà. C'est la carte sur ma tête. Ouais, mais voir si on peut rentrer dedans. Attends. C'est l'entrée de la cave. Comment ça, ils l'ont bouché? Ils l'ont bouché, hein, ils ont mis des anneaux. Des anneaux, on peut pas les faire tomber? Ils sont bien fermés, là. Non, je pense pas. Il y a une entrée. Ah putain. Ouais. Attends, je vais prendre ça. Voilà. Attention, là c'est du plancher qui est en dessous de nous, hein. Il y a combien d'entrées alors? Et la porte là, on ne peut pas l'ouvrir? Oui, non, mais je m'en fous, je veux sortir. Sortir d'ici, on veut faire tout le tour comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça y est, je comprends, ouais. Bon, qu'est-ce que je fais? Je t'attends? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Mais avec quoi là? On n'a rien? Je te l'avais dit que... Moi je t'avais dit de venir plus tôt. Tu devais venir à 5 heures. Ah putain, ça l'a fait chier ça. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. Ça craint. Ouais. Ouais, celle-là, la branche là, toi, celle-là, là. Là, juste là. Celle-là. Celle-là, voilà, ouais, dégage-les. Tu vois que ça va mieux avec ça maintenant. C'est quoi qu'il y a comme mur?
Prends, coupe le truc, ta machin, coupe les branches, t'emmerdes. Ah bah, de toute façon, j'ai pris la machette. Hein. Ah ouais, d'accord, je comprends. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, attends, je suis sûr que ça descend, moi. Ça m'énerve. Ah putain. Mon pétra avec le... avec la machette. Il y a des trous là. Là-bas, tu sais ce que c'est ça? C'est les machins pour la route. C'est les machins de la mairie ça. Ils viennent plus là-bas, ça s'est rebrodé. Tu crois pas? Ah oui, il regarde la rentrée là-haut et ça fait pas le temps de se brodé. Un truc, c'est très bien pour m'agripper. Voilà. Tu sais, on est en bas là maintenant. Tu sais, là où tu vas, je vais moi.
pas mal. Ouais, bah écoute. Passage plus court, c'est celui-là. On va prendre ça et puis puis voilà, puis on va...